Le Dieu le puissant qui vient ce soir calmer les tempêtes de nos vies. Parce que rien ne lui est impossible. Il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Roi des Rois, il est le puissant guerrier, le lion de la tribu de Juda. Cette parole est extraordinaire. Hey, ça c'est l'histoire de la vie de chacun d'entre nous. Ce n'est pas n'est-ce pas problème il commence. Même chose dans ton cheminement de foi avec Jésus-Christ, les tempêtes se lèvent et nous devons nous poser la question: pourquoi ces tempêtes se sont levées? La tempête, d'abord le tourbillon de vent. Imaginez le tourbillon. Un tourbillon qui se lève. Rien ne peut l'arrêter. Et il ramasse à droite, à gauche. Devant et derrière, il avance. Parce que le tourbillon est puissant. Mais Jésus-Christ, il est le puissant des puissants. Il est plus puissant des tourbillons de notre vie. Alors, furieux contre la femme, le dragon s'en alla guerroyer contre le reste de ses enfants. Ceux qui gardent les commandements de Dieu. Bye.
par la puissance de son sang, il nous a libérés. Comme le déclare l'Apocalypse 12, il l'a fait par le sang de l'agneau, par le témoignage de Dieu. Et nous, nous l'avons déjà vaincu. Parce que nous nous sommes des vainqueurs en Jésus-Christ à la fin. Les tourbillons, les maladies, la mort sous toutes ses formes, l'échec dans le mariage, l'échec dans les relations, l'échec dans le ministère, l'échec dans le travail. Oh.
man ma ci gisse sama fat. Les problèmes n'ont pas besoin de visa. Les problèmes n'ont pas besoin de Schengen. Ils n'ont pas besoin de citoyenneté. Les démons, ils n'ont pas besoin de visa. C'est pourquoi si vous avez des problèmes en famille, demandez à Christ de le régler avant le voyage. Avant le voyage. Ils ont pris la vie. Chacun avec son pays de destination. Mais ils ont oublié une chose. Ils étaient dans l'ignorance. Qu'ils étaient déjà marqués dans le temps éternel. Ils étaient retenus captifs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit, frère. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Puisque, comme le déclare la lettre, la seconde lettre aux Corinthiens, chapitre 11, il déclare que Satan est Dieu. Il peut même se transformer en ange de lumière. Parce que Dieu est lumière. À Apocalypse 13, lui aussi, il a donné la marque à ses adeptes. Lisez-moi Apocalypse 13. Se feront marquer sur la main droite ou sur le front. Et nul ne pourra rien acheter ni vendre s'il est marqué au nom de la bête ou au chiffre de son nom. C'est ici qu'il faut de la finesse. Que l'homme doué d'esprit calcule le chiffre de la bête. C'est un chiffre d'homme. Son chiffre est 666. Nous ne sommes pas des enfants des ténèbres. Parce que la puissance de Dieu a
C'est pourquoi la lettre aux Hébreux chapitre 12 verset 2, il dit gardons les yeux fixés sur Christ pour pouvoir vaincre les tempêtes de notre vie. Lisez-moi cela et préparez-moi la seconde aux Corinthiens chapitre 5 verset 7. Fixant nos yeux sur le chef de notre foi, qui l'amène à la perfection, Jésus, qui, au lieu de la joie qui lui était proposée, endurant une croix. C'est bon, c'est mal, verset 2. La seconde est au Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Gardez les yeux fixés sur lui. Le contempler dans sa vie. Car nous cheminons par la foi, non par la vue. Car nous cheminons par la foi, pas par la vue. Et qu'est-ce que c'est là? La foi, c'est croire dans les choses que nous ne voyons pas. Nous espérons cela. Et la lettre aux Hébreux, chapitre 11, verset 6. Qui n'a pas la foi ne peut plaire à Dieu. Nous sommes nés pour prier,
aujourd'hui. Même s'il est avec toi, même si tu crois en lui, il y a des moments où tu dois le réveiller. Parce que les flots ont des voix. Prenez le psaume 124. La mer a une voix. Les eaux ont des voix. De dernier mois contre nous, ils font des déclarations contre nous. Pour nous, à Israël de le dire, sans Yahweh qui était pour nous, sans Yahweh qui était pour nous, quand on sauta sur nous. Cela confirme la parole à Jean 15. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Yahweh, nous sommes perdus. Sans Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes perdus. Mais avec Jésus-Christ de Nazareth, nous ferons des exploits. Alors ils nous avalaient tout vite dans le feu de leur colère. Alors les eaux nous submergeaient. Les eaux nous submergeaient parce que c'était des eaux puissantes, des eaux bouillonnantes. Le torrent passait sur nous. Alors il passait sur notre âme en eau écumante. Béni Yahweh qui n'a point fait de nous la proie de leur dent. Notre âme, comme un oiseau, s'est échappé du filet de l'oiseleur. Donc il y a le filet de l'oiseleur également. À part la voix des eaux, il y a le filet de l'oiseleur. Et la parole de ce dimanche déclare qu'il vient libérer les captifs. Pas seulement pour les sourds, ni pas seulement pour les boiteux, pas seulement pour les malades, pas seulement pour les aveugles, mais également il vient libérer les captifs. Vas-y. Le filet s'est rompu. Et nous avons échappé. Le filet s'est rompu. Et qui a rompu ce filet? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Vas-y. Notre secours est dans le nom de Yahweh. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Sous le dimanche, Mekiturianna, Misak Asana, Aksu. Vas-y. Qui a fait le ciel et la terre. Il est bon de rendre grâce à Yahweh, de jouer pour ton nom très haut. Attends que je trouve ça. Il habite le secret de Moïse. Tu es à 93. 93. Le Seigneur est roi. Si. Le Seigneur est roi, il est vêtu de majesté. Si. Le Seigneur est vêtu avec la force pour poudrier. Oui, le monde reste ferme, inébranlable. Depuis lors, ton trône est ferme, depuis toujours tu es. Les flots ont enflé, Seigneur. Les flots ont enflé, Seigneur. Les flots se sont augmentés, Seigneur. Les problèmes se sont augmentés, Seigneur. Vas-y. Les flots ont enflé leur voix. Les flots ont enflé, ils ont augmenté leur voix. Les voix se multiplient de génération en génération. Beaucoup de personnes parmi nous vivent cela. La voix de vos problèmes générationnels. Il y a des problèmes générationnels. Les flots ont enflé le vent. Vas-y. Les flots enflent leur fracas. Plus que la voix des grandes eaux. Plus que la voix des grandes eaux. Pourquoi les flots augmentent leur voix? Nous devons comprendre. Si nous, par la puissance de Jésus, si nous ne demandons pas à Jésus d'intervenir, les flots continueront à s'enfler. Ils continueront à augmenter
vie. Plus que la voix des grandes eaux et des vagues superbes de la mer, superbe est le Seigneur dans les hauteurs. Tes degrés sont vraiment sûrs. La sainteté est l'apanage de ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Tes degrés sont vraiment sûrs. Seigneur, tes paroles sont esprit et vie. Le ciel et la terre passeront, mais tes paroles ne passeront pas. Si nous croyons en Jésus, nous devons encore croire en sa parole. Parce que le psaume 138, verset 2 déclare que Dieu respecte plus sa parole en son nom. Il a dit qu'il est venu pour nous sauver et il l'a déjà accompli. À nous de rentrer maintenant dans cette puissance de salut. À reconnaître qu'il nous a déjà sauvés, que nous ne périssons pas, que nous ne sommes pas en danger pour aller ça et là et chercher des faux secours. Et plusieurs fois, c'est ce que nous faisons. Aller chercher de vains secours. Nous les appelons en secours. Mais ce ne sont pas des secours, ce sont des dangers supplémentaires. Nous sommes déjà en danger. Et nous allons chercher de mal. Nous allons chercher des problèmes supplémentaires. Parce que le mal ne combat pas le mal. Il n'y a que le bien qui peut combattre le mal. Et Jésus, est-ce que j'ai invoqué le nom du Seigneur? Est-ce que j'ai demandé l'aide du Seigneur? Il me donne le sommeil. L'image du sommeil a été déclarée dans ce passage. Mais en fait, dans le psaume 121, si nous nous souvenons, le gardien d'Israël, il me donne le sommeil. Il ne dort ni ne sommeille, le gardien d'Israël. Yahweh est ton gardien, ton ombrage. Yahweh à ta droite. L'image de l'ombrage a été utilisée ici. Pourquoi l'ombrage? Quand la chaleur commencera à taper, Yahweh sera ton ombrage. Il sera ton parapluie, comme je peux le dire. Mais il est plus que cela. Il va te couvrir. Il ouvrira. Que chacun commence avec son nom. Dieu, tu es mon gardien. Dieu, tu es le gardien de ma famille. Dieu, tu es le gardien de chaque âme de ma famille. Parce qu'il a dit que tu seras sauvé, toi et ta famille. Vas-y. Yahweh à ta droite, le jour, le soleil ne te frappe, ni la lune à la nuit. Yahweh te garde de tout mal, il garde ton âme. Nous sommes
Vas-y. Yahweh te garde au départ, au retour, dès lors et à jamais.
Le problème est plus fort que toi. Commence à mettre Jésus devant. Parce qu'il a dit, celui qui me suit. Il n'a pas dit, celui que je suis. Mais celui qui me suit aura la lumière de la vie. Donc nous, nous devons le mettre devant. Et suivre Jésus. Le président de la Corée. De ne pas se mettre devant Dieu pour lui donner des instructions. Mais nous, nous devons écouter les instructions du Seigneur et suivre.